aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler de la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Alors évidemment, c'est le dauphin de Macron qui a été nommé. Hein. Il n'a pas été choisi par hasard, mais c'est voulu pour préparer la succession du président qui veut un clone pour lui succéder. Alors ce que j'ai adoré, c'est la réaction d'Édouard Philippe, qui a dit « c'est une bonne chose ». Effectivement, pour lui, c'est une bonne chose, il n'a plus aucune chance d'être élu. Le gars, il est fort. Hein. Je trouve vraiment que tous ces politiques, ils sont étonnants. Étonnants, mais à un point que c'est même pas permis. Hein. Alors, je suis assez aussi stupéfait par la faiblesse, et encore, je reste moi-même faible, pour vous dire ça, de la réaction de l'opposition, de la soi-disant opposition dite de droite. Bon, alors, LR, vous avez vu, c'est fini. Sarkozy a décidé de on peut le dire, hein, de démanteler son propre mouvement. Alors, est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est de l'idéologie? Est-ce qu'il est très copain avec Macron? Ça doit être les trois ensemble. Donc, il a mis une fidèle des fidèles au gouvernement, même deux fidèles, parce qu'on ne vous parle que de Dati, mais il y a Vautrin aussi. Et Vautrin, c'est une fidèle aussi de Sarkozy. Donc, voilà. Alors, c'est tout de suite, on vous dit, c'est la droitisation du gouvernement. Mais on nous prend vraiment pour des billes, parce que je ne vois pas en quoi le gouvernement se droitise. Je rappelle toujours hein, qu'il faut écouter les discours des uns et des autres, donc de Macron et de son clone, et vous verrez que les deux ont le même discours qui est 100%, mais alors 100%, hein, parce que il n'y a pas photo là, socialiste. C'est facile, vous allez sur elysee.fr, vous avez tous les discours de Macron en vidéo ou écrit. Vous pouvez vérifier, c'est tout à fait vérifiable et c'est évident. Mais non, on dit « ils se droitisent ». Alors ça suffit pour donner, je dirais, comme un blanc-seing, comme une, disons, un laisser-passer, quoi. C'est bon signe, c'est bien, ils se préparent pour 2027. Et puis, ils nous préparent le rempart. Parce que toute cette idéologie socialisante, là, c'est quoi? C'est préparer pour 2027 le rempart à, oh là, à Marine Le Pen. Le grand danger, vous le savez, c'est le grand danger en France, Marine Le Pen. Hein. Ce n'est pas l'immigration, hein, non, c'est Marine Le Pen. Bon, alors évidemment, quand on en arrive là politiquement, on est au niveau vraiment des caniveaux, hein, je ne peux pas trouver autre chose, et on voit bien que ils vont nous répéter inlassablement ce danger, la peur du loup, etc., etc. Tant que ça fonctionne, tant mieux pour eux, à la limite, et puis tant pis pour nous. Et quand on voit le Attal, le peu de choses qu'il a faites, on oublie juste sur ce personnage qu'il est 100% à gauche, qu'il a voulu le démantèlement du nucléaire en France et qu'il l'a appuyé à 100%. Ça, c'est plus important, moi, je trouve, que son origine, son nom, son prénom, le nom de sa cousine, le nom de son chien, etc. C'est la réalité, vous voyez. Ce qu'il faut, c'est garder en mémoire la réalité et arrêter ce que font nos politiques et nos médias, c'est-à-dire un grand écran d'enfumage. On masque tout ce qui gêne et on balance ce que l'on veut. En attendant, qui va l'avoir in the baba? C'est nous. Allez, je vous laisse parce que je suis fatigué. Hein. C'est tout, ils sont trop fatigants. Allez, et on est mal, on est même très mal. Merci toujours à ceux qui partagent. Il y en a de plus en plus, paraît-il. Ben, ça fait plaisir. Allez, au revoir.